crainte de l'apôtre Paul. Et qui dit, même ensuite, ayant étude que nous t'ai déjà entamée, l'idée était là où, tant qu'on a pile fois, nous n'avons pas grand problème. L'étude commençait, il était là. Et puis pour nous retourner, sous lui encore continuer avec nous, parce que pas timé ça que nous avons fait, comme si sous pas étant fini, ou pas touché. Non. Vous comprenez? Nous pas pressé avec l'étude. Donc nous avons considéré les craintes de l'apôtre Paul, qui voulait dire que, étant serviteur du Dieu vivant, dans les circonstances qu'il était rencontré avec bon Dieu en Jésus, il était comprendre qu'il n'est pas capable là qui colleront ça. Dans l'évangile là. Il t'a vu avec une série de peur. La Kaili, peur du service bon Dieu. Et elle dit peur, l'été apprendre, reconnaître que bon Dieu ça, que il vient rencontrer dans l'autre dimension. Nous dit bon Dieu ça que lui vient rencontrer dans une autre dimension en Jésus. Son bon Dieu pour paix ou des craintes pour lui. Nous dit, et après répéter le même encore, bon Dieu ça que lui-même l'apôtre Paul vient connaît dans une autre dimension. Non, Jésus, c'est un bon Dieu que l'idée doit gagner en pile crainte pour lui. Avec ça, la vivre avec un signe de peur pour lui pas tomber en bas main, bon Dieu, ça. Bon, qui ça nous le dit par là? Monsieur, pour qu'on ait déjà ça que nous voulons dire. Bonjour, Pasteur Libé. Bonjour. Qui ça nous voulait dire? Voilà. Dit que l'apôtre Paul, ça, pour venir rencontrer bon Dieu dans l'autre dimension, ça, que n'a pas les deux. Au nom de Jésus, on nous divine qu'on est bon Dieu comme Jésus, ou bien vigne qu'on est Jésus comme bon Dieu. C'était dans des circonstances très difficiles. Vous songez que c'était semaine passée. Nous déposons le consabao. Qu'on est bon Dieu, lui présentez-nous sous trois aspects, on nous dit comme ça. Nous prenons sous trois angles, sous trois dimensions, tant que nous voulons dire. Nous disons que gay. Il y a une position dans toi, en yon côté que au monde croit dans mon Dieu avec toute force, il est irréductiblement il y a un monde qui connaît mon Dieu dans une dimension qui est plus grande. On n'est pas capable. Défaites-lui, qu'on
connaît mon Dieu bien. À travers toute expérience qui a existé. En conclusion, nous avons dit du bon Dieu, c'est bon Dieu que Dieu, pas que rien qu'à faire. Ouais. Nous avons. Rien n'est pas capable de se couper. Nous connaissons bon Dieu. Gagner y ont l'autre position dans l'autre angle à côté ça c'est moun ça qui croit dans ça que li croit yo que c'est idole que li servi que li sorti avec li dans ancêtre li dans race li dans famille li dans la relation, dans l'expérience, dans la vie, dans l'entrée sortie, dans ça que lui comprend, que le pas capable de comprendre. Donc toute vie, li, c'est dans l'idolâtrie, que li, c'est dans le paganisme, c'est dans une série de bagailles qui passent très 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 loin de ça que nous, nous disons, on a parlé de bon Dieu. Et tellement mon ça plongé dans le bagaille, ça, bon, quoi que lui fait, bon Dieu. Que vous qui parlez de Dieu, que n'a pas parlé de Dieu, avait dit pour lui, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Avait dit, il est tellement idolâtre en plongée dans l'idolâtrie que lui rivait dans l'athéisme. Là, avait dit, privation du bon Dieu. Là, là. Ça, c'est l'autre angle. Et puis, dans le temps de ça, avec des gens qui connaissent bon Dieu, tout bon et qui connaissent bon Dieu, tout bon à partir d'une série d'expériences, et la vie est faite avec bon Dieu. Et l'autre là, qui même lui veut nous prendre tout par le bon Dieu, nous avons mis dans deux extrêmes, ça y est, il y a l'autre élément qui sous une forme d'éducation quelconque, lui connaît un bon Dieu et n'est pas capable de même bon Dieu ça qu'il a appris le bon Dieu mais il connaît le mal d'après vieille information qu'il prend d'après vieille connaissance qu'il a expérimenté vieille expérience donc il connaît bon Dieu et puis il connaît bon Dieu mal mais la vie donc connaît bon Dieu et mal là il connaît plus un danger pour nous, monde ça qui connaît bon Dieu. Ça nous dit qui pas connaît bon Dieu du tout, ou du moins qui rejette bon Dieu. Tout bon, ils ont fait l'expérience avec bon Dieu, capable de faire automatiquement. Venir reconnaître position li dans l'existence mon Dieu. Et une nouvelle expérience ça qui doit son un bagaille crucial, even mortel, automatique. Mais il n'y a pas de choix. Parce que mon Dieu il voulait passer li à l'épreuve, mais il a accepté le même côté. L'apôtre Paul, pour lui devenir apôtre Paul, ça, apôtre là, c'est représentant Jésus-Christ. Pour lui venir représentant Jésus-Christ, ça, tandis que l'idée, ça, que l'idée en Saul de Tars, là, ça veut dire que ce taureau, ça, brigand, ça, on nous dit bandit ça qui était en travers Jésus-Christ pour lui être capable de finir l'apôtre Paul ça on nous dit ça c'était plan mon Dieu pour te prendre un monde comme ça pour te faire venir ça qu'il a besoin venir
En sorte que l'idée de venir avec un tracteur pour des fours et embarrasse nom ça pour être capable de renverser. L'idée de venir avec un bulldozer pour te laquer sous deux nom ça avec toute croyance que tu gagnes, foi que tu gagnes. Pour des cabines, elle fait une poussière et à partir de poussière, ça, les vignes font mon nom, mon ça, que tu as besoin pour travailler. Donc, mais il y a un homme qui sortit dans une position extrême, côté libre pour qu'on ne dise pas de gens, ouais, que tu as ça que tu as. Pour être capable de venir plus grand serviteur bon Dieu dans le contexte chrétien. Donc ça c'est Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. Devenu serviteur du Dieu vivant en Jésus-Christ. Nous dit serviteur du Dieu vivant en Jésus-Christ. Dieu vivant, il est capable de un simple mot. Vous comprenez? Cependant, expérience, il a montré que bon Dieu est capable. Aux yeux de plus d'un bon Dieu qui n'est pas vivant, oui. Pour une raison, Dieu qui n'est pas vivant. Qui quitte tout le monde, fait ça que vous voulez, les gens que vous voulez, les que vous voulez. Expérience. Même expérience encore montre que oui, qu'un bon Dieu qui est vivant. Donc, bon Dieu, son bon Dieu vivant, il y a des dieux morts. Dieu des païens. Parce qu'on met tant de païens, on met tant des athées, et qui t'aime dit mieux, même le Dieu des athées. Dieu des athées. Parce que athée, encore nous dit le Dieu, c'est pas que lui pas quoi, non, non, il y a un Dieu. Of course, on lui vit, j'en peux vivre, Dieu lui, c'est à peut-être manger lui. On voit dit qu'on a besoin de manger pour vivre. C'est à un épicurien. Épicurien, ça c'est philosophe ça, qui croit que la vie n'a pas fait avec rien sinon que plaisir. Bien boire, bien manger, puis bien dormir, puis mourir. Vous comprenez? Ça veut dire Dieu lui, c'est qui est-ce qu'il est? Dieu lui, c'est manger lui, Dieu lui, c'est. Et plaisir, Dieu dit c'est et tout ça qui est capable de contribuer à faire contentement la vie. Ça veut dire quoi? Non, il y a un Dieu, mais il rejetait le Dieu vivant. Donc Dieu, ça veut dire quoi? Non, il y a, nous sommes capables de dire son Dieu mort. Dieu mort, Dieu des morts tout. Mais le Dieu vivant, c'est Dieu ça, qui fait des exploits dans la vie des hommes et qui vient affirmer dans le cœur des hommes comme ça que lié et que l'homme, bien les hommes, là, doit mettre des chapeaux devant et reconnaître que ça c'est Dieu. Eh bien, c'est bon Dieu ça. Que nous n'avions pas vu. Donc, sur le Tars, l'Elifin reconnaît que y a un Dieu vivant qui existait en Jésus-Christ. L'Elifin, dans le monde, il y a un monde fou. Parce qu'il est tellement peur, Dieu.
qui existait en Jésus-Christ, que lui vienne comprendre que lui doit marcher sous Pingali pour ne pas jamais rencontrer avec lui. Si je te connais, ça c'est bon Dieu ça, pour ne pas jamais croiser avec lui dans les circonstances que je te rencontre. Avec ça, lui vient à vivre avec une sorte de peur là qu'il dit, il fait le craint pour que ce n'est pas lui-même qui vient causer une série de bagailles, non seulement dans la vie par lui, et dans la vie par l'autre monde qui t'a ou bien déjà rencontré avec Dieu ça, ou bien qui t'a va. Oui, vous rencontrez. Donc, dimanche passé, semaine passée, nous sommes encore à un thème que nous avons développé, encore un thème qui était. Alors, l'apôtre Paul craintif, je vais répéter encore pour nous. Apôtre Paul craintif. Il y a un apôtre Paul qui a vécu avec crainte pour ses fils, Seigneur. Il y a un bagaille que l'apôtre Paul a peur en pile. Il était des craintes. Il dit même c'est que dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il a peur pour que, après que il finit de prêcher l'évangile à l'autre, que lui-même n'est pas désapprouvé par même nous qui avons prêché l'évangile. Ben, on se comprend bien. L'idée voulait mettre chaud que l'on est en position telle que. Et là, prêche l'évangile, il y a un côté. Personne n'a gagné pour dire de lui. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Ça, c'est il y en a crainte. Que tu l'as pour tout le. Bon. L'évangile prêché par éducation en pile. Allô? L'évangile prêché par éducation. Si ou animé du Saint-Esprit, pour éducateur qui monte chez la caprèche pour absentir que gagne en onction par le messager, si vous animé du Saint-Esprit, si vous gagne un discernement la caille. En d'autres termes, les prédicateurs monté pour parler avec vous, qu'a senti que c'est un orateur qui a parlé. Right? Un bel orateur. Donc si c'est un monde qui compte parler bien pour chercher, ou apprenez bien facile, ou apprenez, c'est ça qu'on a besoin. Allez, parlez bien, je prêche bien. Ça fait le prêcher bien, c'est parce que tout bagaille existe quelque part. Au lieu de publier en pile, l'apprenez tout message, c'est facile. Lire avec des yeux intellectuels, des yeux d'intellectuels, des yeux d'éducation, et des mondes qui éduquent. Bon, il est facile. Vous êtes qu'on fait belle dissertation à l'école. Vous êtes bien sûr, j'ai vu une bonne capable d'écrire. C'est bien facile. Oui. Ou à secouer tout en salle. Nous voulons dire à haranguer tout en public.
Mais parler avec l'intellect, par éducation, avec parler selon l'esprit, c'est du bagage différent. L'apôtre Paul relève Jean de prédicateur sa yo, moun kap bat l'air. La kap bat l'air. Dit tout, la, li pa vle prêche pour se ta kounda tout, la frappe en battant l'air. Li tout, li pa courri par hasard. Il n'a pas couru à l'aventure, mais il a couru vers un but direct. C'est pour rencontrer, remporter le prix de la vocation céleste. Nous te disons que l'apôtre Paul, il y a une crainte qu'il a gagné, c'est pour que l'être nous prêche à un monde. Elle finit évangéliser yon quartier. Elle finit évangéliser yon. Non. C'est pour que zone n'a pas qu'à dire. Tu as comme soin. À la vérité, un peu de fois, nous pas comme soin. Un peu de fois, nous pas comme soin. Un peu de fois, nous pas comme soin. Non seulement des intellectuels et. Nous avons vu un temps côté que il y a un peu d'intellectuel à travailler Seigneur. Et gagner plus intellectuel que des hommes appelés. Nous avons vu avec le Saint-Esprit. Où te lire pour nous 1 Corinthiens 9, verset 27. Est-ce qu'on te lire ou on t'a remé lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Qui ça le dit 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, 27. Qui nous a fait lire? Moi donc, je vous, non pas comme l'aventure, non pas comme à l'aventure. Je vois, non pas comme battant l'air, mais je dirais durement mon corps et je le tiens à sujetir de peur d'être moi-même aujourd'hui, après avoir prêché aux autres. Ah, mais c'est tout effort là pour toi, pour. T'as fait? C'est pas mal là. Tout parle, autant qu'il a parlé en plus, tout rempli, il remplit la Bible là, avec tout épit ça yo. Il va pas là. Et, il était obligé de traiter comme il est sûr. Il va faire à gauche, il va faire à droite, mais il va aller droit au but. C'est pour que il n'a pas rejeté. Que c'est public, il n'a pas rejeté. Et si. Moi, j'ai un public là, une rejeté ou tout bon. Devant la vérité, j'ai déjà rejeté ou déjà. Pourquoi ça fait un peu tout ça? Parce que je connais quand tu es sorti avec le Seigneur là. Hein? Où sont je côté là pour te sortir? Allô? Quand tu es sorti? Hein? Allô? Il était sorti. Il a une relation avec grand souverain sacrificateur. Je n'ai pas fait allusion à ça à côté. C'est bon l'heure. C'était non. Par contre, c'était bien. Qui a des 86 jours, je m'en souviens bien. Mais, histoire, yo, côté que. Est-ce qu'on y a toujours? Quand on est dans le temps présent, là, quand on conseille de monde, on n'a qu'à parler de un tel. Il n'y a aucun rapport ensemble. Que ce rapport social n'a pas existé, rapport intellectuel n'a pas existé,
rapport moral pas existé dans l'époque ça que la Bible. Mais il y a une grande relation pour qui ça? Parce que un tel besoin servit avec un tel pour la faire tel job pour lui. Dans le quartier côté que nous étions là, dans la zone sacrée de nous, il a été content. Oui, ça qui veut le Franklin là. Toi, où il était chargé qu'il était. Ou qu'on a une police a parlé avec une série d'éléments. Mais on dit qu'il rapport qui est la police ça et moun ça. Et là, comme si vous êtes sous pour la police ta capable de menoter moun ça dans l'état que lien. Cependant, c'est avec Mounsa qu'il y a une confidence. Pour qui ça? Parce que c'est Mounsa qui est capable de faire joindre l'autre monde qui a besoin. Je comprends ça. On a quelqu'un qui a fumé, il a bagarré le marijuana, cocaïne. La police connaît bien. Vous comprenez? Mais. Ils ont quitté nous ça dans la rue là parce qu'ils ont besoin de lui pour aider yo joindre l'autre yo qui a point de vue là. Vous comprenez? Eh bien, c'est donc on a dit yo. Sol de trace, c'est un agent que tu es devant, grand souverain sacrificateur, pour aller. Détruit l'église Jésus. Naturellement, nous n'avons pas besoin de mettre des sons ici bas. Non que ça. Parce que c'est un grand homme de grande valeur dans sa dédrain que nous avons. Comprends? Un grand, grand pharisien. Mais lui-même, il était préféré choisi pour rentrer dans la bassesse. Ou que c'est avec les souverains sacrificateurs qui ont négocié pour écraser les affaires de Dieu, quand tout l'autre pharisien a préféré aller croire derrière. Même Jean, quand vous l'apôtre Paul, il a connu bon Dieu tout. Il dit qu'on est bon Dieu, m'a répété tout le temps encore. Ce sont des hommes de la loi qui ont été. Loi de Moïse, là, ils ont été la meilleure. Malgré que. Il a fait vieux causer, mais il a cru bon Dieu quand même. Mais Saul de Tarse qui était dans sa vie, il a déclaré qu'il n'a pas cru bon Dieu. Vous voyez? Il a préféré être le pharisien des pharisiens. Et puis, il avait dit l'enfant chéri du souverain sacrificateur, c'était Saul. Il a chuté ensemble, il a parlé dans toutes circonstances. Parce qu'il a besoin pour écraser Étienne, Jack, Jésus-Christ. Donc, on a fini. Rencontrer avec bon Dieu. L'air de fini par reconnaître que et bon Dieu et Jésus-Christ, c'est même bagaille là. Bagaille que je n'ai jamais accepté dans la ville. Vrai quoi? Eh bien, condition que de rencontrer là, affaire GPTA, pour déjà le péter même côté, affaire de vieux genoux qui te doit casser pour tomber à terre pour ce monsieur qui te croit dans l'io, aide quand l'io, qui te mettait tout en confiance sous. Souverain ça, peuple souverain, leader peuple souverain ça, que soldier, là on voit que c'est Yokonia qui pour bas, chef yo ça, les bras pour aider le campé, mais la verse, depuis qu'il est au pas connaît, voyant un homme ça, mais qu'on y a des genoux, il y a tremblé, il y a tête, il va aller, Seigneur, vous levez le campé, avec genoux à trembler pour botter le mener. À Damas.
qu'on y a eu, même mieux qu'on y a eu, mais non, ça va dans un bas, c'est ça. Donc là, il vient tomber et perdu force devant tout le monde qui était coin dans lui, qui n'est pas obligé de coin dans lui encore. Mais il dit, il va d'arrêt, mais tomber en bas, mais bon, Dieu, ça encore. Qu'on y a là, il avait peur. Donc, ouais, pour qui raison que la poutre pour le doigt est tout peu sérieux là. Il tout lit peur. Pour lorsque les vignes paraissent comme ça devant les hommes, avec non Jésus-Christ dans la bouche, et puis même les hommes, ça va bien. Qui est la poutre pour vous venir parler avec moi là? Il dit son déchéance, il voit pour lui encore. Qu'on y a si bon Dieu vient mettre mes sous lui. En l'autre fois, les poils pires passer l'aide de mettre mes sous lui. L'autre fois, avec ça, il est obligé de peur. Vous voulez lire pour moi encore 1 Corinthiens 9, verset 27. Donc il faut camper là pour moi. Moi je traite durement mon corps. Pour moi-même, l'évangile ça, c'est le travail, mon bagage, l'évangile passé. Alors, l'évangile qui presque pas une application dans la rue à Konya, dans le temps ça que nous avons Konya. Affaire chrétien, prédicateur qui dit à traiter le corps dur, il aurait été assujetti à la parole à un bon Dieu, c'est pour que après être. Après avoir prêché aux autres, hein, pour que pas vienne désapprouver par les autres saillots ou bien par bon Dieu, ça au nom de qui il a prêché. Il m'a dit, passé. Parce que ça, là, pour toi, pour la petite, là, ça, c'est bagaille dans l'époque contre l'esprit. T'es pas mon job. L'esprit va au job, il place pour capable de travailler pour lui. Là, c'est l'esprit. L'esprit place et puis il voyait. Hein? L'esprit posé mes sous, après ça, il voyait. Même Jean, Jésus t'a déclaré à l'apôtre Pierre. Dans Jean, chapitre 15. Jean chapitre 15. On allait là-dedans. Où est-ce qu'il s'est dit? Jean chapitre 15. Hein? Jean 15, verset 15-16. Qui s'est dit où? Ça le dit où? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bon, ok. Est-ce que vous l'entendez? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi. Nous sommes dit que application, déclaration,
l'apôtre Paul ça, qui dit que il traitait comme les dieux. Avait dit un homme qui acceptait pour lui capable rouler colline dans la boue selon Jean-Seigneur Lavandil. Il n'a pas besoin de considérer belle rade blanche qui s'oublie à l'hyper pour le passage. Seigneur a dit roulez quoi dans la boue là, roulez quoi dans la boue pour le Seigneur là. Parce que l'idée victime déjà. Il était victime déjà. T'es qu'on l'a, il était quoi l'étape? Servi bon Dieu, mais son Dieu que t'as servi. Il t'a servi Dieu pendant que c'est les hommes que t'as servi. Il t'a servi relation les hommes. Il t'a servi acquaintance avec les hommes. Il t'a servi éducation que t'es pour. Il t'a servi M. Nicolas Ilio. Il t'a servi Gamaliel. Avec toute relation. Avec toute relation. Bon, of course, il était des relations, pas toi avec lui. Parce que, c'est pas pour Dieu, il t'a comme une bonne illustration d'aller, et l'autre là, que pour lui s'observer avec lui, il va sembler rien. Nous connaissons. Et pas ça seulement, non. L'idée qui est un bagaille tout. L'idée qui est actif la bagaille tout. Of course. Et puis, parce que ça, le tout est réel. Parce que, c'est une question d'intellectuel que tout est lié, c'est éducation. Il est d'accord que tout est dans un rang élevé à pharisien. Ça veut dire religion qui est plus en l'air. À l'époque là, tout le monde est vrai, un pharisien. Et puis l'idée d'un privilège, ça, l'idée d'un romain, en même temps, tout citoyen romain, dans la communauté, et d'un homme, je dis, qui dit, on a un quartier, ça côté de nous, nous sommes américains seulement, nous y est, oui. Un bon haïtien naturalisé, et puis qui a voté de Dieu américain. Of course, ça, bon, un privilège. L'on passe dans l'immigration, et mon cap passe là, on passe vivi. Et puis après ça, puis ça. N'importe qui, n'était beaucoup mettre là, qu'on y a, on vient perdre un privilège, au lieu qu'il y avait un jour là, caillou, voilà qu'on est en prison, en fédéral, il y a ici de préférence, au lieu de tenir là, caillou. Ou perdre pendant qu'on doit avoir un foot stamp là, puis soit-il. Pardon? Après qu'on a là, caillou, comment? Donc, l'apôtre Paul, en tant que soldat, il a le privilège d'être un citoyen romain. Donc, en tant que citoyen romain, il était capable de chuter bien facile avec un souverain. Sacrificateur, gouvernement de connaître. Oh, pharisien, oh, c'est le plus grand secte religieuse qui vient dans la rue. Là, ça veut dire quand n'importe grand pharisien pareil, lui, il y a tout connaît dans le tribunal là, dans le juge. Son juif qui est lié. Il y a tout bagaille. Donc on nous dit que ça sont bagailles du temps passé, pas vrai? Ça sont bagailles du temps passé que l'apôtre Paul de la guérir là. Pas grand plus de monde qui peut apprendre. Pas grand plus de monde qui peut apprendre. A fait traiter et durement mon corps. Bon, ça c'est bagaille de cadeau. L'apôtre Paul ne peut pas défendre rien, mais ça. Absolument défendre
Jésus qui nous apporte le cadeau. Donc là, ça nous dit que il faut que c'est un monde qui t'ait choisi, qui t'ait appelé, même Jean. Jésus t'a choisi sur le temps là. Même Jean t'a choisi, il t'a relé sur le temps là pour venir dans le travail là, et dans la condition, dans la façon Jean que tu as choisi là, et mais mon cher, ou pas de choix, ou obligé de marcher, Jean qui va marcher. Mais quand c'est nous t'ai fait choix par nous. Vous comprenez? Nous t'ai choisi. On a la prendre Bible. Nous t'ai la prendre théologie. Pour nous t'ai capable de faire route nous dans la vie. Vous comprenez? Pour nous t'ai faire route par nous dans la vie. Pour nous t'ai senti que l'avenir là, on n'est pas capable de faire facile. Parce qu'il y a trois démarches pour rentrer dans l'école de médecine. Il y a trois routes pour nous faire pour nous aller dans l'école d'agronomie, dans le pays d'Haïti côté nous sortir. Vous comprenez? Tout le bagage est une question de parrain. Avenir n'est pas clair. Donc, il y a nous fouet quand nous dans le business de l'église là. Alors, ça veut dire, nous connaissons côté de sortir, nous connaissons côté de nous besoin d'aller. Nous ne sommes pas capables de passer dans la porte ça, dans la petite porte, puis petit. Puis nous n'avons pas besoin de bagaille pour rentrer dans la Bible là. Donc là, ça on fait choix par. Et ici aux États-Unis, c'était chargé. C'était chargé. La caille, nous, on a été une tête chargée, même janton. Donc, ça retourne nous encore dans Jean chapitre 15, verset 15 et 16. Côté Jésus dit à l'apôtre, aux apôtres, comme en général, d'après l'expérience que nous faisons, nous avons trois hommes qui sont toujours ensemble. C'est Pierre, Jacques et Jean. Nous sommes toujours là pour côté Jésus. Toujours là ensemble avec nous. Après, ici, une communication pour passer, c'est avec Mounsayo que Jésus pourra le passer d'abord. Bon. Nous toutes ici. Mais si nous avons communication, nous allons passer. Nous avons parlé avec lui plus souvent là. C'est Frère Kennedy. C'est lui qui va passer le message là d'abord. Mais Claude, et Frère Atis, et nous avons passé le message là. Message qui a rapport avec l'administration ici. Moi, Frère Kennedy, nous parlons toute la journée. Il y a quelques messages. C'est lui pour me passer. Pierre, Jacques et Jean. Trois messieurs, ça y est. C'est eux qui toujours recevoir le premier message Jésus. Quant à Pierre, même, donc lui-même, dans l'audacité, dans la ténacité, dans l'intrépidité, il n'a jamais Jésus chance lui-même pour finir avec une phrase, il pique au plein, puis pop, pour qu'il y ait une réponse là, ça fait Jésus. Ça fait lui parler le plus souvent. Vous comprenez? Quelques messages sont anciens. Ou que pasteur Libella, on s'est dit, expérience dans un bagaille, service bon Dieu. On sait conversation. Avec lui, capable de permettre de sortir avec un bagage, que je ne peux pas travailler avec un jeune monde. Vous comprenez? Regardez-le. Là, je vais me songer.
pas attendre. Tomber moi et puis les regarder moi pas lever. Au sujet semaine passée yo, nous avons considéré la chute de l'homme. De vous tomber ou honte, pas vrai? De vous tomber. Vous pouvez pas aller faire c'est à gauche. À droite vous regardez pour si pas des monde qui veulent leur tomber là. De vous tomber. De vous tomber. Ça veut dire, hein, gombakaï, qui ont. Et dans ces conditions de santé, où, il faut tomber. Si c'est moun qui fait sur, par exemple, hein, eh bien, si l'idée, c'est à un point que vous n'êtes pas capable de contrôler le corps, vous devez venir en face à où tout tomber. Pas vrai? Au moins, vous tombez quand même. Alors, étant donné qu'il y a une histoire dans la vie, il y a une explication pour lui. Mais là, par contre, on est malade. Ou pas, ouais, il y a un petit code qui t'en traverse, ou pas, qu'on ait un hasard dans la rue. Tant pour l'autre, là, tu vois l'huile dans la rue. Pour l'air passe avec machine, il y a un renversé l'autre bord. Vous comprenez? Ou pas aller à tête de tout bagage ça yo, on a vu clean. Excepté, ou dit, nous pouvons le craser, nous pouvons le briser, nous pouvons le démontrer. Et le président ça, nous pouvons le déchouquer ici le bord, et puis le regarder, pop, et pour tomber. Oh, comme lui, Jean Bourgeois, il faut honte, il faut lui regarder, pas vrai? Ouais, et puis le regarder, vous pas rien à terre. Qui causait tout le gars. C'est ça qui fait. Encore, m'a obligé, m'a dit. Côté le Dieu du psaume 46 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. N'oubliez pas de chercher côté lié. Côté lié. Parce que moi, je ne crois pas ça. Parce que malgré ça, il y a aucune différence. Dans la Bible, ça là, dans le temps, peuple Israël, ça, moi, je fais réfléchir. Et ma chèche, ouais, côté, ma rencontre avec mon Dieu, ça dans la rue, dans le dernier temps, yo! Bah, ouais, lui. Oh, on connaît que lui, là. Pendant ça, bon, l'autre qui croit que ça, c'était des femmes, c'était les gens qui ont dit, si c'était vous, on t'a fait encore le diable. Moi, ma chèche, mon Dieu. Donc, nous avons dit que Pierre, Jacques et Jean, c'est trois hommes que Seigneur, là, qu'on parlait avec yo, dans le petit privé. C'est dans le contexte ça qu'il était déclaré dans Jean chapitre 15, verset 15-16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas nous, non, monsieur, qui s'est choisi, moi, comme leader, nous, comme maître, nous, comme seigneur. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Mais je. C'est moi qui choisis. Même Jean, Saul, c'est pas vous. Qui choisit pour venir à pot de moi. C'est pas où pour choisir pour moi. Mais moi, choisir, même j'en ai choisi. Pierre, Jacques, Jean, l'autre, Philippe, etc. Mais je vous ai choisi. Et puis, belle parole là, il dit là, je vous ai établi. Nous choisir. Et puis me placer. Je ne pas en position. Je ne pas en job. Et me placer là. C'est pour que vous allez porter. C'est pour que vous allez et porter le message. Pour que vous alliez et que vous portiez. Portiez qui ça? Pour que vous alliez et que vous portiez. Tu fouilles. Allez. Nous choisissons pour aller travail, et puis que travail ou des fouilles qui sortent là-dedans. Et dans le travail ou pour du fouille, afin que tout ça que vous va demander en moins. Ça va arriver.
dit que côté appel là fait là, il y a la crainte de l'Éternel qui pourrait entrer là-dedans. Et bien c'est exactement ça. Paul dit où? Encore nous retournons, non? Nous pas presser. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26-27, il dit: je cours non pas comme par hasard, non pas comme à l'aventure. Ah, mais dit, tout travail que l'apôtre Paul a fait, il n'est pas pour la prendre chance. Il a été appelé et il a été placé. Je frappe non pas comme battant l'air. Un bon bruit, la vérité, il y en a. Donc, la photo pour pas de guerre, ni pas pressé, ni pas fait bruit. C'était un quiet message. Et ça qui fait, lorsque Apollos ne vient pas dans un haut, c'est la vie, on se préfère Apollos, parce que Paul va se dire Apollos, c'est le corps qui est ça. Nous chutons devant glace, nous. On voit nous qui j'en nous parle camper, qui j'en nous parle, après ça nous paraît, nous venons frapper. Et nous croyons, nous ne ça, mes amis. Nous croyons. Bon. Cependant. Oh, à travers tout le bagage, ça y est, ça nous est moqué. Moqué, bon Dieu. Alors, il y a ça qui est moqué, bon Dieu. Bon, c'est qui est-ce qui dit ça? C'est la photo pour le capable de parler de nous. Parce que chaque congrégation que le parle devant lui, d'après ça que la poêle a mis dans le message de Bouyo, il parle avec eux différemment. Et l'idée a été centrale quand même. Aux Galates, les habitants de la Galatie, les églises de la Galatie, dans le chapitre 6, verset 7, il dit: on ne se moque pas de Dieu. Galates 6. Verset 7. Dans pile mon cru qui fait. Ah bon Dieu, mes amis. Ça c'est l'évangile d'en passé que. L'évangile d'en passé. Pas blague, mais ou non, si ou même. Ou accroché ou dans un bagaille dans la rue. Bagabla, mais non. Cependant, encore, m'a toujours dit, allez dans Acte des Apôtres, chapitre 17, dans verset 30. Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 30, encore. L'apôtre a parlé. Il dit: Dieu sans tenir compte d'être en ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. Dieu sans tenir compte
d'être en ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme fait, il le recevra. L'apôtre Paul a courage pour parler comme ça parce que il a manqué bon Dieu dans une époque en tant que pharisien qui a la loi de l'Éternel. Non, mais lui, mais qui était aveuglé par l'éducation, par les affaires intellectuelles, au point que mais bon Dieu devant lui, il n'est pas qu'à reconnaître bon Dieu. Jésus là, il n'est pas qu'à reconnaître. Et puis il a frappé bon Dieu, pensant que ça avait un petit par un petit garçon dans la rue, que l'a frappé, alors c'est bon Dieu qui l'a frappé, et puis bon Dieu qui bon Dieu a, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46. Ça c'est l'évangile dans longtemps. Pardon? Je ne connais pas, moi c'est dans la Bible que je connais et je me sens bon Dieu esprit, je suis capable de dire ça. Donc on y a gagnance entre Tilly et joindre application. C'est deux bagages différents. Of course, tout message, c'est ça qui est appuyé. Mais nous connaissons une prédication intellectuelle qui payait. Une présentation qui payait. Payons pour venir prêcher un bel message pour moi ici. Et même congrégation qui doit payer ou pour venir prêcher un message que vous avez besoin d'entendre. Mais pas venir toucher bagaille privée moi là-dedans. Et c'est là que l'apôtre Paul, dans la connaissance que tu as de bon Dieu, ça a, que lui dit, les batailles, mais pour c'est lui qui vignon au propre, à propre tête parler, pour comme si nous la passé dans la rue, dans la zone, comme si tout le monde a plongé droit sous lui. Non, il est capable hier. Et somme de ta sûreté hier, tu as commis tes erreurs. Et puis, lorsque Jésus vient de tout bon, et qu'il connaît, qu'il est engagé tout bon, et toutes les choses anciennes sont passées. Donc, n'importe qui veut l'autre sous lui, ça va être regardé. Mais lui, il connaît, choses anciennes n'ont pas passé.